السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد بعد هذا الغياب الطويل عدنا اليكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله سوف نتكلم اليوم عن جرا بيزكس الو uh, ان شاء الله باذن الله في هذه لا هذا الكور هذا غادي يكون تو سامبلمون كراش كراش كورس بيان كراش كورس يعني ان كور Donc, comme vous le savez, nous n'avons pas encore fait des tutos ou des playlists. Alors, les formations vont être soit méga coding plateforme, soit en présentiel, soit en ligne avec certains groupes groupe. Donc, pour ce qui est de Java. Donc, Java est un langage très populaire qui n'est jamais utilisé par les entreprises, jamais à les développeurs. Langage robuste, solide, ou à l'intérieur des caractéristiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que Java. Donc, so Java est un langage de programmation à so usage général. Donc, tout simplement, pour so n'importe quelle application ou bien n'importe quel programme, il est évolué. Donc, tout simplement, de langage est évolué. Est, est, est un langage de programmation orienté objet pardon dont tout simplement la syntaxe est plus proche euh, que celle ni, euh, des, 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 des langages qui sont de, de bas niveau comme C est, C est plus, plus. mais les caractéristiques euh, a ni, sont riches euh, y ont euh, des caractéristiques il a de langage alors comme vous le savez, il y a des machines d'entreprise ont une GVM installée où Java est téléchargé plus d'un milliard de fois chaque année. Il y a aussi plus de, de, de 9 millions de développeurs Java dans le monde. Et euh, aussi Java euh, est un langage le plus utilisé dans le monde. Donc, les options ou bien les, les, les opportunités de, de travail ou d'emploi pour, pour Java et Kinim Z. Alors euh, pareil, par exemple, moi d'autres langages. Alors de par parler les caractéristiques de, de Java. Donc Java, tout simplement, possède un certain nombre de caractéristiques qui ont largement contribué à, à, à son, son énorme succès. Donc en double ou le il y a langage Java compilé ou bien interprété. Donc tout simplement Java est compilé interprété, mais on dit que la source ou bien le source pardon le source ou elle est compilé en pseudo code ou bien bytecode. On dit on dit on dit pas pseudo code mais on dit on dit bytecode. Donc puis exécuté par un interpréteur Java. Donc avec le bytecode ou bien le source DNA, tout simplement La compilation les facultés des sciences. il faut de plus. Il y qui veulent le déroulement des code source fait la partie. Donc le source DNA, tout simplement est compilé en pseudocode, puis ou bien un bytecode en dit bytecode. Oui, exécuté par un interpréteur Java, donc je connais l'interpréteur d'un donc un la, la Java ou bien la JVM ou bien Java Virtual Machine. Donc, had le concept est pardon ou à la base de yani, euh, l'interprétation bien la compilation. Alors, euh, la Java tout simplement il est, est, est portable et yani, on peut. Utiliser Java dans, dans, dans plusieurs plateformes, plusieurs IDE. Donc, il est, il est indépendant de toute plateforme, tout simplement. Il n'y a pas de, de compilation spécifique. Compilation spécifique pour chaque plateforme. Donc, le code reste tout simplement indépendant de, de la machine sur laquelle il s'exécute. Euh, aussi, il est possible d'exécuter des, des programmes Java sur... Tous les environnements qui possèdent une Java virtuelle ou bien une JVM, donc euh, on peut exécuter indépendamment ou bien avec l'indépendance le code source DNA ou bien un programme Java. Tout simplement, Java, comme plusieurs langages, Java est orienté objet, est un langage de programmation orienté objet. Donc euh, le principe de Java, c'est euh, bien, c'est euh, programme, -on, on, peut, on peut utiliser Java comme basics, avec les basics comme Kivran Choufou va faire la vidéo aussi on peut utiliser -on, Java euh, ou bien euh, des programmes de Java comme euh, des structures bien, bien euh, précis ou bien spécifiques structures spécifiques tout simplement à travers le, le, le fameux paradigme ou bien y -on, y -on, le concept le populaire, c'est Java euh, ou bien l'orienté objet, pardon. Donc, euh, Java, tout simplement, est orienté objet. Donc, chaque, chaque fichier source contient une définition, ou bien un script, ou bien plusieurs classes qui sont utilisées euh, les unes avec les autres. Donc, tout simplement, pour former une application Java. Après, maintenant, Java, tout simplement, est très simple. Donc, euh, le code c'est rare mais je kiffe Java à la PHP ou bien elle elle cherche à l'écrire PHP parce que la structure de PHP on peut maintenant utiliser un peu de code animé carbone on va dire simplement que l'application PHP mais Java qui est qu'on est structuré a code on peut dire un code simple mais structuré donc c'est pourquoi Java est très populaire ou le choix de Java tout simplement c'est un, un choix, pardon c'est pas un choix, c'est un choix et ni mercredi, on peut dire c'est un euh, choix et euh, ni Donc tout simplement Java fortement typé, donc tout simplement il y a l'existence a les types de variables, donc euh, on peut dire en, en guillemets comme TypeScript, c'est Java JavaScript typé, donc, parce que Java, comme, comme JavaScript, pardon, quand on déclare Java, Java des variables en JavaScript, on peut pas, on, on dit pas a ni, par exemple, string, ainsi de suite. Mais Java, en Java, ou bien avec TypeScript, avec d'autres langages, il y, y a le, le, le y a, les types, les types de variables. Donc, tout simplement, on peut a, faire la conversion euh, des méthodes statiques, ainsi de suite. Donc, aussi, Java assure la gestion de la mémoire. Donc, certains langages de programmation n'assurent pas de la gestion de mémoire. Comme C, c ⁇ l'orienté objet, plusieurs choses, mais ils n'assurent pas la gestion de la mémoire. Donc, Java, tout simplement, il, 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 il assure de la partie avec le garbage collector, avec l'allocation de mémoire, la création euh, automatique euh, des, des, des cases mémoire entre guillemets. Les zones de mémoire, on peut les libérer, la destruction des objets, et ainsi de suite. Donc, la gestion de mémoire de Java, le top, hyper. Donc, tout simplement, Java, que économique, plus, elle a le multitâche. Donc, les caractéristiques de Java, ou Java, tout simplement, a un historique hyper, où euh, les versions toujours chaque fois euh, il y a plusieurs versions, mais euh, pour le moment revenez à caractéristiques, à nos tout simplement il y a le code machine pardon parce que euh, JavaScript toujours il y a une Alors quand je dis Java, euh, alors directement je dis JavaScript, JavaScript. Alors mais c'est deux, deux, deux langages et, euh, différents couloirado euh, la la structure de dialogue, mais qui prend euh, le principe c'est euh, comment réaliser une application très robuste et, et, très euh, euh, très rapide euh, avec euh, Swift, et, qui suit et, tout simplement les technologies récentes les récentes et tout simplement et, et, la nouveauté l'innovation ainsi de suite donc Manhadrash, euh, elle, elle, elle a les versions de Java parce que les versions... La Jinushadrash, les versions de Java, c'est énorme. Donc, pas mal de versions, plusieurs versions, plusieurs caractéristiques, plusieurs critères de choix de versions. les pour aussi Manhadrash et Léon parce qu'il y a plusieurs choses qui sont Java. C'est pour, est, est pour ça Java très robuste ou très utilisé, Jan Gulik. Java, est euh, hyper. Euh, donc, donc euh, pour le moment radin douze yani, les le basics de Java euh, Enterprise euh, pardon Java langage Java alors euh, t'la le f la partie code donc bah d'emes dernier là les caractéristiques d'iel euh, Java alors maintenant ramdoun shalallahu alaihi les mots clés qui sont yani, réservés باش نقدروا يعني ما نطيحوش في الاخطاء لوغ دو لوتيليزاسيون ديال لو كود جافا دونك عندنا اه، سيرتان موكلي هما ابستراكت كونتينيو فور نيو سويتش اسيرت يعني اترافير يعني لا فيرسيون 1.4 ديفولت جو تو باكيج سينكرونيزايد بوليان دو هادو توجور samlo home yani fleco diona donc hado on peut pas les déclarer comme des variables donc radi ou bien on utilise yany a flu ni arbitraire le code donc tout simplement radi qu'on a erreur alors na boy do if private this break double implements protect protected true byte else import public throws case inom um, à travers java 5 instance of return transient transient aussi comme à ni lors de java uh, 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 enterprise edition catch extend init int short try char final interface static void class finally lang uh, strict uh, strict F, fp à travers java uh, 1.2, c'est tout simplement pas utilisé beaucoup. Volatile, count, float, native, super, while, underscore, travers Java 9. Donc, on dit le l'initiation du projet. Donc, je vais créer un nouveau projet Java. Donc, tout simplement, on a Java EEE. On peut dire c'est Java. Donc, est-ce que Java ou bien Java EEE Donc, n'a C Java, e, non, c'est Java donc j'ai Java donc à d'une un projet Java Project donc à le Java Projet à l'école ni Basics Java Basics donc tout simplement la version l'indienne à à la version 13 donc use ensemble euh, l'environnement GRE DNA et finish donc tout simplement location qui est dans en fait, le folder de workspace java alors euh, on attend il y a quelques minutes donc pas d'antiquités il y module de et maintenant voilà le, le fichier de ou bien le folder de java basics alors donc maintenant, qu'est-ce à a les mots clés qui sont réservés yani, lors de l'utilisation du code java et maintenant, on va voir yani, les identifiants d'Iona. Donc, comment on peut identifier yani, euh, euh, les, les valeurs euh, en, en Java Pardon, c'est pas JavaScript. Donc, on va une classe, le source d'Iona. Donc, tout simplement, on utilise yani, folder source pour créer des, des classes. Donc, on va créer a classe. Donc, à travers le main, il y a un clé fait le main. Donc, tout simplement, on ne peut, peut pas utiliser la programmation orientée objet. un crée classe mita start. Donc, la classe, elle on fait à la Inch'Allah, Alors, voilà, la classe DNA, default package. Il n'est pas important d'utiliser un package avec un nom précis. Donc, on peut utiliser un default package. Et euh, les classes diana à dire sans aucun problème. Donc, pour le moment, donc, euh, comment je peux identifier une variable Donc, de la vidéo ou bien cette, le cours, c'est tout simplement pour les débutants. Il yani, arf euh, qui va déclarer les, ou bien identifier euh, variable, ainsi de suite. Skip, 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 et euh, les, les, les les débutants euh, info qui va déclarer donc par exemple on peut initialiser euh, une variable init par exemple var avec euh, euh, la valeur 10 donc je peux afficher ya yani, la valeur à travers ni yani, système out euh, point printlain. donc juste par exemple ma var et na c'est plus var. Donc, on ne peut pas faire virgule parce que euh, JavaScript, euh, <laughs> mais euh, à ce moment-là, on peut utiliser juste ni euh, plus. Donc, on peut exécuter run Java application. Et voilà la console DNR. Voilà, mavar, c'est 10. Voilà. Donc, euh, pour le moment... شفنا دابا آه، يعني آه، لي مو زيرفي شفنا كيفاش نديرو لي دونتيفيكاسيون ديال فاريابل غادي نهضر بزاف على هاد لي فاريابل باسكو لي فاريابل هما هما يعني باش كنقدروا نخدموا دونك اول حاجه آه، الا شفتوا هنا عندي يعني بابليك ستاتيك فوايد ماين هاد هاد لا ميثود هاد هادي شتي ميثود ستاتيك يعني ميثود دو كلاس سي تيون ميثود Qui n'est pas utilisé externe. Utilisé, y'a dans la classe. On ne peut pas l'utiliser externe. Donc, tout simplement, euh, la classe Yéli, c'est ma classe. Donc, dans la classe ici, c'est quoi C'est main. Euh, c'est, Voilà, c'est start. Mais la, la méthode, pardon, la méthode, c'est main. Donc, on a un dit static void. Static, tout simplement, c'est comme j'ai dit, raha, utilisé dans la classe et reste statique. On ne peut pas, par exemple, c'est je peux l'utiliser on ne peut pas l'instancier. On peut dire, y en a entre guillemets, l'instancier. Par exemple, si je peux utiliser euh, cette classe, cette méthode, pardon, je vais faire quoi euh, Je vais faire comme ça. Il y en a un commentaire. Hein, under start, euh, point main. Point main. Donc, tout simplement le syntaxe c'est-à-dire que le main c'est tout simplement raha, euh, une classe statique mais si, si par exemple pardon c'est pas euh, voilà donc si je, je dis par exemple start égal à quoi égal à start ou là, par exemple main main égal à start point main donc comme ça si je peux par exemple, il y a sans faire maintenant new new start point main, donc tout simplement, il n'y a pas d'instanciation pour cette classe. Voilà, donc toujours il y a la fonction indi ni pas statique. Alors, je m'en parce que y a plusieurs détails qui n'est mais c'est un cours qui est crash course donc pas en est détaillé de plus donc elle' aussi c'est le nom de main c'est le nom de la méthode elle a des valeurs ou bien des paramètres qui sont par exemple indina un tableau de string un tableau de chaîne de caractères on dit les strings ou bien chaîne de caractère sont des strings indina a rgs c'est une variable tout simplement variable on peut nommer maintenant n'importe, y c'est un paramètre ou bien variable, donc on peut utiliser cette variable comme entrée, n'y a euh, pas de problème. Donc, dans d'abord, y comment je peux déclarer des variables. Donc, euh, tout simplement, Java sensible à la case, sensible à la casse Donc, la déclaration des variables, y ait tout simplement. Donc Indi, uh, yani, uh, soit, samel comme ça, ma variable, soit, ma variable, soit, ma variable, comme ça, andy, uh, ou soit avec l'underscore, soit avec cette annotation, soit comme ça, soit comme ça, soit ici, uh, aussi comme ça, soit comme ça, mais tout simplement, c'est dépend de, de, andy, uh, du projet, DNA, donc voilà et tout simplement sont des exemples d'identifiants valides qui sont valides, par exemple, si je fais euh, underscore mavar j'ai l'affect, 10 mais je un pas le type, parce que comme Java, langage typé je un type si je ne fais pas le type comme javascript, comme dire const ou la let ou là je sais pas quoi var ça marche mais Java c'est typé voilà alors c'est out je vais et ni euh, printer ma var donc tout simplement ma var c'est pas ma var voilà alors j'exécute et euh, ni à chaque fois. Donc voilà, c'est 10. Donc tout simplement, c'est 10. Si je fais par exemple 1, m'avar. Ici, 1, m'avar. Est-ce que c'est valide ou non? Donc l'interprétation dit, donc, on 1 et m'avar. Voilà. Le problème ici, under scores have to be located within digits. Voilà. Donc il y a... Mais qui est variable qui veut va être. Donc si je fais par exemple A majuscule, est-ce que ça marche Voilà, ça marche. Donc ça marche. Pas de, pas de problème, pas d'erreur. Si je fais par exemple A tiret Mavar, est-ce que c'est bon ou non Non, c'est pas. Donc, l'indication DNA, ou bien l'identification DNA, ça cette trouve correct. Et bien, je créer le projet DNA. Alors, euh, par exemple, on a ici, qui sont euh, des, des exemples identifiants invalides, comme ça, comme ça, avec espace, tiré, euh, une opération, comme ça, trou avec les exceptions, comme on a dit, yani, les mots-clés. Donc, voilà. Ici aussi, plus caractère il est tout simplement, les commentaires, un simple commentaire, c'est comme ça. Euh, des commentaires comme ça, aussi comme ça. Il y a plusieurs euh, euh, méthodes pour faire les commentaires. Maintenant, on parle de la déclaration d'utilisation des variables. Donc, euh, là, les, les variables, les kits samlobzav, a fréquemment utilisés. L'int, euh, c'est entier. Donc, entier. Elle a langue, ou bien double, on, on dit double. Euh, c'est réel avec euh, quelques paramètres. Euh, aussi, elle a string. Euh, voilà, c'est chaîne de caractère. Mais c na, ici, c'est c c S majuscule. Et c'est c ma, par exemple ma var. Na var int navar double alors on a point virgule tout simplement on a point virgule tout simplement ici c'est navar string c'est point virgule ici c'est voilà donc donc, deux des variables y fréquemment utilisé donc int euh, ou bien var var int on a les tout simplement une variable ou bien un entier double var double je peux l'affecter euh, réel par exemple comme ça voilà comme ça téléphone alors euh, pardon alors euh, continuons, il y a c'est double, ici c'est un une b, il y a une, voilà, ici c'est string, c'est mavar, mav string, c'est une chaîne de caractères, pas, pas un seul compte mais j'ai un seul code, il y a deux, par exemple chaîne de caractère voilà, donc non déclaré, les variables, il y a une affectation des variables, ici une quatrième du l'affichage tout simplement var int uh, plus uh, var double uh, plus uh, var, var, var ma string donc non a dit a ni yani, afficher mais a ni yani, concatener pas de problème pas de problème grer huwa je vais dire que je vais dire Zwak Donc voilà. Et super. Très bon. Donc voilà ce que je donne la déclaration des variables avec يعني, les types euh, fréquemment utilisés. L'instanciation, on ne peut pas la faire parce qu'elle euh, a déjà un paramètre. Donc, les types, on a les types boolean byte, short, char, int, float, double, long. Donc, euh, les valeurs logiques, tout simplement, true ou false. On a octet signé, entier court signé, caractère unicode. Euh, entier signé, float, virgule flottante, simple précision, virgule flottante, double précision, entier long. Donc voilà. Hna, euh, on a les formats, les types élémentaires. Donc par exemple, Pira, Maropa. On a F, il semble qu'il y ait Alors. Euh. Voilà had f hadi ya kachani float de kachani double mais c'est pas yani, c'est pas euh, yani, utilisable, utiliser Ma, double mais là il est encahau donc radimchi au daba yanni yani, les tests euh, les conditions les boucles ainsi de suite yani, rapidement 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 donc voilà je finis avec yannick déclarer une variable ainsi de suite. donc maintenant on a droit à les conditions donc par exemple on a une variable var euh, pardon ce n'est pas var avec javascript par exemple int a égal à 10 et euh, comment je peux euh, mettre euh, scanner la variable donc c'est à travers scanner scanner on dit clavier on dit scanner ou bien système système .scanner. donc euh, voilà donc new euh, scanner on a ni tout simplement euh, l'importation donc Java utilise voilà il y a un scanner et il y a un système point in, il y a euh, in voilà c'est voilà donc maintenant déclarer le scanner DNA ou bien le clavier il y alors donc on a un, par exemple s out entrée euh, une variable et on a à dire par exemple variable il y a, hmm, int b on dit oui, clavier point euh, next int et maintenant je peux par exemple s out euh, ma variable plus c'est plus ici c'est b après on dirait les conditions il y en a les conditions voilà donc il une variable donc je peux l'entrer avec la variable 3, après c'est ma variable c'est 3, super donc maintenant, la variable c'est la condition donc if, y en a, la condition d'y if b supérieur de, de 5 afficher afficher quoi la variable e sup 2 5 super else la variable et non sup 2 5 voilà on va compiler. Entrer une variable. Entrer. Euh, Entrer. Entre, entre une variable. Entrer un nombre. Et un slash n. Voilà. Entrer un nombre. Ici, c'est par exemple 8. La variable est sup de 5. Si je fais euh, une autre fois. Entrer un nombre. Par exemple, c'est euh, 2. La variable est non sup de 5. Donc voilà les conditions, c'est très simple. Donc maintenant, comment je peux boucler Donc c'est une de d'abord. Les tableaux, comment je peux déclarer un tableau Par exemple, int tab, donc soit new, euh, on peut dire new, il y a un tableau. Le, la, la taille du tableau, soit mais un, 20, donc un tableau, euh, on ne peut pas déclarer ça new. Donc, déclaré au messelon tab de 20 donc euh, ici c'est c'est erreur euh, je sais pas quoi voilà et voilà oui euh, euh, alors donc c'est New par exemple. New par exemple, int euh, 20. Ici, si je fais, voilà. Donc super. Donc un tableau. Maintenant un tableau. Donc je peux aussi déclarer un autre tableau. Donc voilà, tableau de caractère. Et comment je peux boucler euh, la tableau? Donc, new tableau. À chaque fois, uh, on va la boucle for int i de 0 i euh, inférieur euh, tableau là. Point. Pardon, c'est point ici. Point lens Voilà. Maintenant Voilà. Point lens et i plus plus alors on euh, va boucler à la table des tables de caractères donc je n'aurai à dire on dire tab ou le haïa on de on la force et j de 0 et j inférieur de, de tab point length et j sub sub donc quand je boucle là, 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 le tableau, euh, je, je fais quoi Je vais essayer de remplir la table euh, 20. 8. Donc c'est bon. Alors, je fais quoi Je fais tab de j reçoit quoi Reçoit. Tab caractère de I. C'est bon. Et j'affiche. J'affiche quoi À la fin. Ou bien euh, à chaque fois. Et ni j'affiche. À chaque fois j'affiche, mais c'est un de de J. C'est bon. Alors je compile. Donc, on irait les caractères. De, euh, les caractères, de, de, euh, les on, on peut dire, on peut dire rien. ni exa-code, exa table de caractère donc, alors, je vais essayer de, de lire table de caractères, sysout out. donc, la table, caractères, de i. donc, maintenant, c'est A, B, C, D, E, F, G. Alors, je fais quoi Je fais for, ou bien euh, je vais essayer de faire une autre boucle, for int i, 0, pardon, j, 0, J inférieur tab point length. Il y a euh, la boucle for each aussi. Elle est utilisée. Donc, non. En dit le tab de J reçoit quoi Reçoit. Et ni euh, soit. Reçoit et par exemple. À chaque fois, on dit le haut de l'entrée. Donc, à chaque fois entrée donc un scanner scanner clavier à new scanner système point in et voilà ici euh, je vais déclarer la variable par exemple euh, string b à new string ici euh, voilà string b et ici je vais faire quoi b point, b point ou bien clavier clavier point c'est b c'est quoi c'est clavier clavier égal à quoi égale à clavier point point next next line parce que c'est chaîne de caractères Ici c'est quoi c'est b tout simplement alors ici c'est b donc alors java et la boucle ça marche ça marche pas il faut la boucle voilà donc à de la table Déclaré, voilà. Ici. Alors, je commande ça. On met dans le joli. On ira tout simplement la même chose. Euh, clavier, voilà. Donc, je vais essayer de faire le même principe avec de avec la, la table. Donc, voilà le, le, le code. Donc, après. Euh, voilà j'ai créé le code et tout simplement même principe on ne sait combien ni le principe donc la table qui n'a déclaré voilà il euh, est dit et j'ai fait whole l'entier i donc c'est pour faire le parcours donc char euh, le, la réponse voilà c'est une char ni une chaîne caractère ou bien caractère donc j'ai fait scanner et voilà, on a la boucle principale c'est j'ai fait doux. Et une autre boucle, la boucle a dit, on la répète lorsque l'utilisateur n'a pas rentré une lettre. Donc on a, a l'utilisateur et une lettre. Donc on a une lettre. Tout simplement à travers le message à l'hôpital, et une lettre. Donc c'est le premier lettre, il y une lettre. Et je vais essayer de boucler ou bien une boucle de recherche dans le tableau. Donc je fais une boucle de recherche. Donc, le principe d'expérience, est un plus sympa, mais ici, il y a un peu de l'humour. Il la recherche dans le tableau. Ce n'est pas, pas grave. Donc, une fois, il y a dit peu la size du tableau, aussi caractère différent de caractère de I, il y a boucle. Avancer la boucle. Donc, sinon, ou bien si aussi, il y a de l'I tableau, je vais essayer d'afficher la lettre qui est trouvée bien évidemment dans le tableau. elle ne trouve pas. Donc avec la condition, tout simplement, it, con supérieur ou égal, il la size de tableau. Aussi, tant que la lettre, il y a le tableau, je vais faire une autre, euh, une soit essay, euh, essayer à nouveau ou non. Donc je vais essayer de compiler. Donc, Natani, euh, entrez une lettre, s'il vous plaît. Ah, la lettre se trouve bien dans le tableau. Essayez à nouveau ou non Non. Euh, N, pardon. Voilà, au revoir. Donc, voilà euh, le programme DNA. Donc, maintenant, euh, la partie... Donc, voilà le programme DNA. Alors... Donc, je vais de dire une boucle avec while. Donc, je vais de la boucle qui est avant, for. Donc, comment, je viens de dire un autre exemple. Donc, par exemple, avec la boucle, euh, la boucle, pour ou bien while, pardon. On a déclaré un compteur. Donc, la boucle qui est là. Donc, un compteur ici, c'est break de la boucle. Voilà. Le compteur se compte jusqu'à 100 après on va faire une autre boucle fort donc qui va compter yani, jusqu'à 10 et euh, le compteur reçoit le compteur plus ni yani, avec le compteur Léo fait et je vais l'afficher compteur s'il y a yani, une supérieur de 40 on va faire break donc toujours avec la boucle while, on fait break ou bien continue donc jusqu à jusqu'à yani, 40 yani, une boucle yani, sans arrêt donc voilà on peut l'arrêter yani vers le CMT. Donc c'est bon. Donc je n'ai les variables, les conditions, les boucles, le, euh, euh, la, le, la programmation orientée objet obligées de Et juste ni pour Basic, Java Basic, ni pour s'initier au Java, ni tout simplement, donc un crash course pour les débutants, les débutants et là, il y a le Java. Donc Java c'est très simple. غنبقى نرى يعني دوتغ اسبي يعني آه يعني بروشين أن, يعني ان شاء الله باذن الله ونتمنى ان هذا الكوخ هذا يكون يعني مفيد وتلاقاو ان شاء الله باذن الله في فرصه قادمه ان شاء الله السلام عليكم